Aujourd'hui, j'ai organisé un nouveau jeu de l'imposteur. On va être 4 à participer, 3 gentils et un méchant qui sera l'imposteur. L'imposteur aura des missions pour obtenir un secret ultime. On crée jusqu'à la fin, tu vas être au courant de quelque chose d'inédit. Bienvenue dans le Among Us de la mort. Ici, le Hunter se cache parmi vous, un imposteur. Son objectif, réaliser toutes les missions sans se faire choper. Et le gagnant aura droit à avoir accès à une vidéo qui va changer sa vie. Mais avant ça, j'ai une petite vidéo à vous montrer. C'est l'année des Shawen. Tu t'abonnes et tu likes, donc partage à tous tes potes ou bien même à ta daronne. C'est l'année des Shawen. C'est l'année des Shawen, donc tu t'abonnes et tu likes, sinon je te mets une steak. Bon les mecs, comme vous l'avez compris, aujourd'hui entre nous se cache l'imposteur ultime. On va devoir le dénicher, on va devoir faire comme Jeff Panaclock, mettre le dos où on pense. Attends, mais là l'imposteur il est déjà mis là? Bah non, on va devoir aller sur la table ronde. Donc vous savez quoi les mecs, suivez-moi. Moi, posez pas de questions sur tout ce qu'il y a autour. Linette, c'est quoi la photo de profil qu'il y a au-dessus de la tête de Shawen, la statue? Dépêche-toi, viens. J'espère que vous êtes patate là. Hein. Je suis chaud. Tu es chaud. Ah vous êtes. Non équipé. Bon déjà toi t'es suspect toi. Non, c'est vraiment pas moi. Bon, posons une question à Escar. Qui a une question à lui poser? On pose une question et après on se taille. Est-ce que tu t'es chié dessus? Oui, j'aime le caca. Quoi? Ok, c'est pas lui, 100%, je safe. Mais c'est nul comme question, non pas ça. Bon les mecs, ça va être simple, logiquement, l'imposteur a un livre. Ah, c'est pour ça. Linette, c'est quoi ça? C'est quoi l'image au-dessus là? Tu me saoules, c'est parti. Accrochez les ceintures les mecs. Ok, c'est parti. Bon là les mecs, comme vous l'avez vu malheureusement, je suis l'imposteur, donc vous savez quoi? Je dois faire une partie, mais quand je vous dis une partie d'exception, c'est la meilleure des parties. En gros, là ça va être simple, oula, au lieu de déclencher la réunion, je vais simplement afficher les quêtes, c'est parti, hop là, c'est bon. Donc là, je dois tenter de cuisiner un cookie. Si je dis pas de bêtises, pour les cookies, il me faut du cacao là. Y a pas de cacao là? Bon, déjà pour ne pas paraître suspect, je vais commencer à faire une survie, on va dire, dans la tranche de base. Faut pas que je commence à faire des choses bizarres là. Faut pas que quelqu'un me pousse. Bon, les mecs, c'est pas possible là. Je suis coéquipier. J'ai trop le seum. On est que 4 là. Normalement, j'ai quand même max de chance d'être l'imposteur. Pourquoi c'est pas moi? Bon, bah en tout cas, tant pis. Je vais me faire bien. Je vais mettre du stuff. Bon, en tout cas, tant pis, les mecs. Il faut que je sais, je comprends pas, les gars. La télé, je suis coéquipier. Mais je dois faire quoi? Genre, le but c'est qu'on doit se tuer entre nous. J'ai joué à Among Us 3 fois dans ma vie, je joue à Minecraft de temps en temps, ça m'arrive. Là je comprends pas du tout le principe de ce jeu, j'ai pas été briefé auparavant. Ok, bon. L'objectif c'est de trouver l'imposteur. L'avantage c'est qu'on est que 4. Après je sais pas si c'est tellement un avantage que ça, parce que du coup pour l'imposteur c'est hyper facile d'éliminer des gens, hein, voilà. Si l'imposteur est fort, bah logiquement il est censé éliminer des gens assez facilement. Le truc c'est que moi je doute fortement vers Aspaz et SK, je sais pas pourquoi. J'ai une intuition comme ça, je me dis bon. En fait je me dis ça aurait été trop facile que Lined soit imposteur. Du coup il y a moyen que ce soit Aspaz, hein. Je vais quand même voir ce qu'il est en train de faire. Après, pour l'instant, je vois que Aspaz et je vois pas SK. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Wesh, c'est trop bizarre. Vous savez quoi? J'ai même envie de ne pas faire de quête au début en fait. Faire des quêtes au début, j'ai l'impression que ça va simplement me mettre dans la mouise. Qu'est-ce qu'il veut avec son panneau, lui? T'as entendu ce que j'ai entendu? Oui, et alors? Moi, il me saoule. J'avance même pas là. Il m'énerve. Oui, et alors? Mais comment ça? Et alors? Il fait comme si de rien n'était. On a entendu des bruits chelous. Ah bah tiens, voilà le revenant. C'est quoi les mecs? Moi, je pense que je vais faire un petit stuff en cobble. Je vais commencer par un truc de base. SK, j'ai vraiment. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a pas de cerveau. Genre vraiment les mecs, quand j'espionne SK, non mais j'ai l'impression de perdre de l'intelligence là, vraiment. J'ai l'impression que chaque jour que je croise SK, j'ai l'impression d'être plus bête. Vous savez quoi, moi je fais mes petits outils. Bon les mecs, on va commencer par casser des arbres, parce que c'est quoi la morale de l'histoire? C'est casser la nature, c'est détruire l'écosystème. Voilà, c'est ça la morale de Minecraft, c'est ça que Notch a essayé d'instaurer dans Minecraft Java point JavaScript. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient me regarder comme ça là, ce champignon vivant. Mais attends, je vais m'occuper de son cas là. Attends, ah. Donc moi il faut que j'ai du bois, il faut que je me fasse des sticks, il faut que je me fasse des outils. Parce qu'attendez les mecs. Non mais va te faire foutre, y avait personne qui a rien fait. Lined, il m'a regardé. Shawen, Lined. Oh le lapsus Shawen. Là. Quoi? Je t'ai regardé? Il m'a regardé, il était comme ça. Donc attends, pause, ça veut dire que là ruines un livre. Tu ruines un livre pour de la merde. En fait j'ai déclenché une réunion aussi parce que j'accuse Aspaz. Et il était avec moi? Mais je l'ai jamais croisé de toute l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce balade? Écoute-moi, Shawen il a fait une dinguerie. Bon, vous savez quoi? Je veux que la puissance divine du Hunter lui redonne un livre. Il sait pas ce qu'il fait. C'est comme l'alcool, il sait pas ce qu'il fait. Ouais. On lui redonne un livre. C'est ton dernier livre là. Okay, mais c'est quand même suspect, hein. C'est quand même très très suspect. Mais non mais parce que en fait je vous explique ce qu'il a fait. En fait il était comme ça. Mais regardez-moi, il était comme ça.
Okay, c'est bref. Nul, mais ça veut rien. Mais ça, et alors on s'en fout de son truc pourri. On va parler des sujets importants là, les mecs. Lainette, oui. T'as pas entendu un bruit bizarre à un moment? Si, mais je l'ai pas. Voilà, je m'en fous moi. Mais c'est un bruit. Mais t'as déjà entendu ce bruit là? C'est un bruit de libellule. Mais non, les gars, wesh. Mais non. Qu'est-ce que t'as encore à dire toi? Mais c'est moi qui ai pété. Allez, bref, on y va. Eh, c'est bon, frère, c'est bon. En fait, plus on traîne avec lui, plus on est con. Et surtout que les mecs, on doit quand même, on va dire, dénicher le secret. Donc là, si l'imposteur gagne, on est vraiment dans la merde. Ah, c'est comme un peu Secret Story. Je suis surtout courant que ça se passe. Mais c'est moi de quoi? Oh là là! Oh c'est parti les mecs! Oh la j'ai mal de merde! Oh bon, ce troubadour est en train de nous ruiner, je le dis. La vie de ma mère, je le dis. Il est en train de ruiner ma vie. Oula, ils meurent dans la fumée ou quoi? Ils ont la haine ou quoi? Bon, bref, qu'est-ce que je pourrais faire? Il faudrait que je fasse un cookie, mais je sais pas faire de cookie, moi. Oh, ça, c'est pas cool, ça? Bon, si je dis pas de bêtises, les mecs, pour me faire un cookie, il va falloir que je trouve du cacao. Sauf que le cacao, j'en ai trouvé, mais il a pas poussé. Donc bon, c'est un peu complexe, hein. Ça, c'est du cacao, du vrai cacao, ça? Oh, c'est vrai cacao. Attendez, est-ce que si je mets cookie. Oh, il me faut du blé, les mecs. Il faut que je fasse pousser du blé. Donc ça va être simple. Je mine ceci, voilà. Bon, là, par contre, c'est vraiment cramé, hein. Je vous le dis, là, bon, vous êtes pas bêtes, hein. Un mec qui a du blé dans la main, vous vous doutez bien qu'il va se faire un petit peu accuser de tous, hein. Donc c'est pour ça, vous savez quoi, il faut que je trouve de l'eau et que je fasse cuire mon blé. Qu'est-ce que je raconte cuire? Qu'est-ce que je plutôt le faire pousser? Je comprends rien à cette partie là. Il y a un bruit de libellule complètement chelou qu'on a jamais entendu sur Minecraft. Lainette fait comme si de rien n'était. Ça c'est très suspect, très suspect. Donc bon, je vais pas vous mentir, j'accuse un peu Lainette. Je lui fais pas confiance à ce mec. Deuxièmement, il y a SK qui est complètement bourré là. Non, il y a vraiment des trucs bizarres dans cette partie là. Je sais pas c'est qui, mais j'ai très peur. Hein. Bon les mecs, je vais suivre. Eh, écoutez-moi, je vais suivre Shawen. Je vais le suivre. À la vie, à la muerte. Il est super suspect ce mec. Regardez, mais regardez, le problème c'est que faut quand même que j'analyse c'est qui l'imposteur. Hein. En fait, le truc c'est que SK est bête. Je pense vraiment pas que ce soit lui. Lined, il était quand même énervé du fait que SK, bah justement, utilise un livre pour rien. Donc je me dis que c'est peut-être pas Lined. Non, mais lui c'est vraiment un idiot. Lui, vraiment, chaque fois qu'il est là, j'ai envie de me foutre en l'air, les mecs. C'est pas possible. Je suis comme l'inspecteur Gadget, t'as des noms les gars. Je vais dénicher le secret. Je vais faire comme Peter Pan, je vais exaucer leur vœu. Y'a pas moyen de remonter dans la soucoupe volante. Qu'est-ce que tu fais là? Allez là. Putain, mais vraiment, non, mais ce mec là n'est pas drôle. Fais quoi, Spaz? Wesh, pourquoi y'a un arbre qui brûle là-bas? Mais c'est trop bizarre. C'est à cause du lac ça? Mais wesh. Oh la singerie. 100% ça doit être l'imposteur. En fait, j'hésite vraiment entre Aspaz et Lined. En fait, SK, je me dis vraiment qu'il est juste bête. Je vois pas juste autre chose que de l'idiotie. Il joue à quoi, Aspaz? Aspaz, il traîne beaucoup avec SK. Le problème, c'est que moi, je vois pas Lined en fait. Ça, c'est ça, rien que ça, en fait, c'est bizarre en vrai de vrai. Genre, il est où Lined? Mais vraiment, il est pas là quoi. Mais mec, je vous jure que je le cherche partout, je le trouve pas. Et bah voilà, est-ce que c'est pas beau ça? Faut juste que je fasse attention là. Vas-y, on fait pousser le bail là. Bon, personne me regarde. Ok, je fais ça et je me barre. Je fais semblant que j'ai rien fait moi. Je fais semblant que je prends de la pastèque, voilà. J'ai envie de me péter le bide. J'ai envie de bien manger. Manger healthy, c'est important. Et en plus, vous savez quoi? Je vais carrément me le craft devant eux. Comme ça, aucun mec va commencer à me dire des choses bizarres. Donc voilà, je peux me crafter mon cookie et c'est parfait. Logiquement, pour faire un cookie, je fais exactement ça et c'est bon. Maintenant, je les retrouve et je commence ma première quête. J'arrive pas à miner le bois. Je vais miner le bois. Les liens, ils poussent trop vite. À quoi il joue, lui? Ça va, on vit tranquille. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est vraiment bête. Le truc que je trouve vraiment bizarre chez Lined, c'est que d'habitude, quand c'est pas lui, il fait vraiment, tu vois, l'inspecteur et tout, c'est inspecteur gadget. Et là, j'ai l'impression qu'il s'en fout de tout le monde. Donc, rien que ça, c'est bizarre aussi. Hein. Bon, sinon, je sais pas comment enquêter là. Il y a SK qui me regarde bizarrement. Il me regarde bizarrement avec une hache. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il veut? Après, il avance vers moi très bizarrement. Je lui dis, tu veux quoi? C'est quoi ce bouffon? Je veux plus traîner avec lui. Il me gêne aujourd'hui, il me gêne. C'est une dinguerie. Je pense que vous trouvez jamais plus gênant que ce mec. Hein. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il essaie de casser le vaisseau là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il casse le vaisseau? Il fait ça aux yeux de tous en plus. Bien, on est d'accord qu'il est cramé là. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il me fixe, il vient vers moi. Mais ce mec est très chelou, hein. Toi, t'es l'imposteur, toi. Toi, c'est ça que t'es l'imposteur, toi. Toi, je te vole sur l'établi, toi. Et va te faire foutre. Il est pas drôle. Il me vole mon dû, là. Il y a vraiment des gens, ils sont pas drôles. Il y a des gens, ils font rire personne. Vous savez quoi? Hop là. Et voilà, boum. Oh, l'imposteur a accompli une quête? Ok. Pourquoi il me fixe comme si j'avais fait une dinguerie? Non, j'ai rien fait. Oh mon dieu. Bon, ça s'est affiché quelques secondes après, donc c'est parfait. Oh mon dieu. Alors là, c'est eux là-bas. Alors là, je vais essayer de les induire en erreur. C'est trop bizarre ce qui s'est passé, là. Ouais. Mais à quoi il joue, là? C'est moi, bande de malade. Bon, lui, les mecs, j'ai déjà tapé deux fois là. C'est lui là. Trois fois, les mecs. J'ai tapé trois fois. J'ai tapé quatre fois là. Et je tape cinq fois. Six fois. Non. Qu'est-ce qu'il veut? Oh. Oh. Moi, je veux savoir des choses là. Je veux savoir des choses. Parce que moi, j'étais avec SK. Il a tué un cochon. Il a tué un cochon devant moi. Oui, SK. Oui, regardez.
Oui, regardez. Bah bon, là peut-être ils t'accusent. Non mais là tu. Non mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais attends. Quoi? Je pense pas que ce soit une mission. C'est une mission beaucoup trop simple. Donc pour moi c'est entre Aspas et toi. Ah oui, ah bah oui, mais ça, mais ça j'en suis. Mais non, mais non, mais non. Alors moi déjà j'en profite. Question Lined. Pourquoi tu voulais me tabasser là? C'est pas ça. C'est qu'en fait moi je pense que c'est SK parce que je voulais me crafter du pain. Du pain. Il a cassé ma table de craft. Il s'est barré. Ah oui, non mais c'est parce que c'était parce que je voulais. Non 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 non. D'accord, d'accord. Mais est-ce qu'il avait fait une mission en faisant ça? Les mecs, c'est un jeu de l'imposteur. Un mec qui casse la table de craft d'un autre, il est bizarre. Merci. Ça, je suis d'accord. En plus, il m'a fait la même chose. Mais tu mens, toi. Êtes vraiment primitif, les mecs. S'il vous plaît, réfléchissez. Mais c'est un menteur, lui. Si ça a pas fait de mission, c'est que c'est inutile. Et c'est que c'est pas lui surtout. Bah, mais ça a fait une mission après. Il doit le faire à tout le monde, peut-être. C'est entre vous deux, j'en suis sûr. Ah, Lined. Ah, c'est pas, c'était un vislard. Il y aura un vislard. Mais oui. Alors, je me fais tabasser par Lined. Mais l'autre, il m'accuse pour rien. Et toi, toi, t'es débile. Tiens, où c'est Shawen là, t'es d'homme. Mais pose. J'ai vu SK, j'ai vu Aspaz. Le seul mec qui s'est ramené quand la quête s'est faite, c'est Shawen. Bah oui, c'était SK le mec le plus loin, mais oui, c'était moi le dernier. Bah non, oui. Il était avec nous. Il était avec nous de base. Non, mais il était pas avec nous. Il était pas avec nous. Bah non, tu racontes, t'es avec SK. Mais attends, mais c'est un menteur lui, c'est, mais c'est lui. Eh, je te regarde dans les yeux, est-ce que c'est toi? Mais c'est pas moi. Toi, je parle comme ça. Ça me dérange là. Bon, l'animal de compagnie, il va arrêter de beugler. Pourquoi tu le défends là, SK? Quelle est la raison pour laquelle tu le défends? Bon, t'en prends ça dans ta gueule, toi, on aime tous ce tapis. T'en prends ça dans ta gueule, ouais, toi. Dans ta gueule, toi. Dans ta gueule, toi. Dans ta gueule, toi. Bon, les mecs, on va faire une vraie décision quand même. L'objectif, c'est quand même de réfléchir. Ah ouais, mais on fait quoi? Ok, bon, laissez. Hey, je monte sur mon estrade. Ok, rendez-moi tous. Choisis. On t'écoutera si on a envie. Haut et fort, je le proclame. C'est Shawen. Franchement, j'ai une idée ingénieuse. Ok, il est perturbateur. Moi, je pense pas que c'est lui. Mais moi, je pense pas que ce soit lui. C'est juste avec qui dégage. Non, c'est pas lui, regarde. Non, mais non, 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 j'avais la vie. C'est une chance. Mais en fait, c'est un mec qui sert à rien. En fait, c'est un mec. Je vais te faire voir, toi. La seule chose qu'il veut faire, c'est de voter pour les équipiers. Alors qu'il a voté FN. Alors bah voilà, bah puis t'as tout dit, moi je vote Le Pen, moi. allez, c'est bon. Eh, moi je suis anti-racisme, moi je suis un woke, donc voilà. Les mecs, préparez-vous, mettez vos casques. Oh non. Wesh le couze, je suis avec Fuse. Les gars, allez vite streamer la musique parce que je pense qu'elle est sur Spotify bientôt. Et en plus, ils préparent une bête de chaîne gaming. Eh, c'est le moment pour tous les amateurs de gaming de foncer sur leur chaîne. C'est grave des bons, ils sont très très drôles. Bon, les mecs, ça va être simple. Je dois mettre un coup à Aspaz et c'est bon. En fait, j'ai envie qu'il tourne le dos et j'arrive à lui mettre le dernier coup. En fait, si je lui mets le dernier coup, c'est bon. Bon, là, pour mettre vraiment le coup, ça va être compliqué là. Vous savez quoi, on va farmer un petit peu de bois parce que là, en fait, le coup qui active la tâche instant, c'est trop bizarre. Là, je me sens cramé en fait. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la mission que j'ai envie de faire, c'est vraiment une mission trop galère. Vraiment, c'est une mission en fait, limite, s'il me manque un coup, il faut que... bah, limite, faut que je le garde. Donc bref, moi je vais me barrer. De toute façon, il y aura aucune quête qui va être faite. Moi, je me rapproche dès que j'ai ma quête. Il faut que je trouve de la clé. Donc logiquement, il me faut de l'eau et il faut que je brûle la clé pour faire des briques. Je crois que c'est ça que je dois faire. Hein. Après, je dois mourir devant un autre joueur aussi. Ça, c'est un peu complexe. Ah, c'est de la clé, ça. Si je dis pas de bêtises. Hein. Faut que je fasse gaffe que personne vienne. Mais c'est de l'argile. C'est ça que je dois faire cuire. J'ai tout. J'ai l'imposteur, les mecs. J'ai l'imposteur, les mecs. Et vous savez quoi? L'imposteur, il est juste derrière moi là. Il a un skin de lapin. C'est lui, frère. Il fait n'importe quoi depuis le début du jeu. N'importe quoi. Franchement, il est trop bizarre, frère. La partie, elle a commencé depuis une heure. Il est encore en train de casser du bois. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Tellement sûr que c'est lui. Ça sert à rien de me donner son port. Ça va me changer quoi? Je sais quand même que c'est lui. Je vais lui dire, je sais que c'est toi. Regardez là, il va faire des aveux là. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Tu prends côtelette de porc, haram, DSL. Je te fais un rappel. Et il fait comme si j'avais rien dit. Je m'en fous. Tu es le coupable, l'imposteur. Je sais que c'est lui. Il change de sujet. Il croit qu'il va m'arnaquer comme ça là. Tiens. Oh, l'aveu! L'aveu! Oh mon. Un aveu. Je pense vraiment que je vais aller miner. Je pense vraiment que le plus intéressant pour moi c'est d'aller miner. Donc on va y aller. Il y a vraiment rien. Hein. Allez, biome jungle, palmarès, voilà quoi, il y a du cacao. D'ailleurs, je me demande c'est quoi les missions de l'imposteur en vrai de vrai. En fait, je pense qu'il faut vraiment que j'observe les autres. Parce que l'imposteur ne peut pas passer tout son temps à rien faire. Il est obligé de faire des missions. Vous savez quoi les mecs, moi je vais rejoindre les trois Gugus là. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont tous partis. Je suis tout seul. Bah super. Bah, franchement, merci Lined, merci de m'abandonner. On crée une chaîne à deux, multigaming, tout. Voilà, ça m'abandonne comme ça. Bah je suis tout seul. Bah, je suis qu'avec toi. Bon, je dois me faire une pioche et partir en bas, mais je sens que je vais me faire accuser là, ça me saoule. Après, j'ai mettre un joueur en feu quand même. Hein. Je dirais pas que c'est compliqué ou c'est bien ou pas, mais mettre un joueur en feu, c'est pas mal. Hein. Après, je pourrais le pousser dans la lave carrément, le mettre en feu. Et après, avec un seau d'eau, bah, je l'éteins. Voilà, je l'éteins. Après, je pourrais faire aussi une pile de bateaux. Ça en soi, ça peut être pas mal. Mais bon, pour me défendre, il faudrait quand même que j'ai suffisamment de blocs pour pouvoir justifier ma fuite. Non mais ça va. Ah bah wesh. Non, on vient d'avoir non, un aveu. Mais t'abuses. Écoutez-moi. Là je commence, c'est moi qui ai déclenché la réunion. Non, tu me laisses commencer. Fallait qu'elle se passe en mode avec les pancartes et je lui dis est-ce que c'est toi l'imposteur? Est-ce que tu es coupable? Il a dit oui avec la pancarte. Mais c'est un menteur, c'est bon. L'inverse. C'est l'inverse. Mais what? Mais what? Wesh, mais t'étais vraiment trop un acteur. Mais frère, c'est moi, j'ai demandé ça, tu m'as dit oui. Mais tu mens comme tu respires. Mais non, mais attends, mais surtout que si il est vraiment imposteur, il va pas dire oui, je suis un imposteur. C'est frère, regarde sa tête, il est débile. Lui il est débile.
Mais dis pas que je suis débile alors que c'est toi qui me l'as dit. Au moins, ce qui est bien, c'est que l'homme le plus con de la partie, il a plus de livre. Donc là, on est bien. Let's go! Donc attends, on peut y aller, c'est bon. Petit truc à ajouter, voilà. L'imposteur est un monocouille. Voilà, vraiment, c'est une. C'est une petite. Ouais. On peut le dire, ouais. C'est une petite. Ouais. On peut le dire, oui, on peut le dire, oui. Ah, tu peux le dire, Aska, ou pas, toi? Est-ce que tu peux le dire? J'ai un très très gros stick. Voilà, je lui ai mis un coup. Je vais attendre un petit peu avant de déclencher la cage, bon, rien à faire. Je lui ai mis les 10 coups, on va attendre un petit peu, sinon c'est trop cramé. Je vais attendre qu'un mec se barre, je vais rester avec Aspas, comme ça il n'y aura aucun problème. Faut qu'on le regarde. Oh, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Mais qu'est-ce qu'il fait? On est d'accord que c'est pas du tout normal ça. Mais attends, mais il est bête. Mais il est bête, mais oui, mais il est bête. Ça va déclencher le bail. Mais les mecs. Oh, what? Oh, l'imposteur a fait une quête. Vous savez quoi? J'en ai rien à faire, hop là. Eh gros, des ouf là. Allez, on dégage SK, il fait une maison, la quête se déclenche, ça dégage. Quoi? Merci, enfin. On enfin avec Aspas, hein. Attends, on mais toi aussi t'as vu ça? Toi aussi t'as vu ça? J'ai vu cette petite fouinasse en train d'observer SK et de mater son petit cul. Non, c'était pas pour ça. Non, c'était vraiment. Mais non. Moi aussi je l'ai maté. Bah, toi peut-être, moi non. Mais t'as 48 ans, il a 8 ans et demi. Bref, tu vas t'éliminer. Non, mais moi c'est pas moi. Moi je faisais juste une maison comme ça pour le délire. Et dans tous les cas, c'est pas moi, les gars. T'as assumé que c'était toi tout à l'heure en face de moi. Mais c'était toi. C'est toi qui a dit je suis l'imposteur. Eh, votez SK, de toute façon, qu'ils soient imposteurs ou pas, au moins ça vous permettra de réfléchir tranquillement. Voilà. Je vote SK. Je vote SK. Je vote SK. Si je meurs, c'est SK. Like et tout cette vidéo. Abonnez-vous. Oui, bah, ça allait, ouais. Non, mais. Oh merde, bon. T'es pas lui? Bon, le seul mec qui a maté le cul d'SK, c'est Aspaz. Mais tu l'as dit il y a 2 secondes que tu l'avais fait aussi. On va prendre notre temps. On va. Et moi je vais bien vous observer, vous les deux là, les deux gugus, parce que moi je sais que c'est pas moi. Moi je sais que c'est pas moi, ok? J'en ai rien à faire. En fait, regardez-moi ça. À ma droite, j'ai une quête qui s'appelle mourir devant un autre joueur. Et en soi, si je fais croire que Aspaz TV ou Shawen m'ont poussé en lave et je meurs, j'ai simplement à dire qu'un mec m'a poussé et m'a tué et que la quête s'est déclenchée à pile à ce moment-là en fait. Donc la limite, je suis l'homme de la situation. Donc vous savez quoi? Ça va être simple, je vais déjà me faire une pelle parce que là il faut que j'arrive à faire, on va dire, des petits bails. Ok, bon les mecs, ok, bon, il y a un problème là, il y a un très très gros problème. J'étais convaincu que c'était SK, je sais pas quoi faire. Oh là 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 là, c'est quoi cette dinguerie là? C'est quoi cette dinguerie? Si je décide de tuer la mauvaise personne, c'est fini, on a perdu. Ah non, c'est une catastrophe, franchement c'est une catastrophe. Bon, vous savez quoi, moi je vais monter en l'air, je vais me faire une base en l'air, comme ça au moins je vais être sécurisé. Personne voudra ma peau, les mecs. Qu'une idée de qui ça peut être là, hein, pour être honnête, hein. Vraiment aucune. En tout cas là, je suis beaucoup plus heureux là, c'est une magnifique journée. Et pourquoi c'est une magnifique journée les mecs? Parce que SK est parti. Et oui les amis, franchement là on est bien. Là on est bien, là on est très bien. Maintenant je vais analyser les deux gugus là. Il y en a un, bon tu sais pas vraiment ce qu'il fait. Pour l'instant le mec, c'est quoi ça? Pourquoi il se fait une pelle lui? Bizarre lui. Aspas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du bois. Il prend toujours plus de bois, je comprends pas. C'est quoi l'objectif? Je vais quand même prendre ça là, voilà. Ça peut me rendre suspect là. Je dois quand même faire un cube de 3x3, hein. C'est pas que c'est un peu bizarre mais quand même. Après je pourrais faire les deux bateaux. Les deux bateaux, bah c'est clairement ce que je vais faire en fait. Les deux bateaux les uns sur les autres, c'est clairement une frémission. Oh le malade. Mais vous savez quoi? Mais c'est mon moment de faire une quête, j'en ai rien à faire. Théma, ce qu'il fait frère? Il fait le mec qui prend de la hauteur. Vous savez quoi? J'ai rien à foutre. Hop là, on se fait deux bateaux. Hop là, on les montre pas les bateaux. Ok, bon les mecs, je vais monter. Je vais faire ma tour. Ok, c'est bon. Là je vais pouvoir tous les observer les mecs. Bon, par contre, je vais paraître un peu suspect à mon avis. Ils vont croire que je fais une mission. Ah non, j'ai pas pensé à ce truc. J'ai vraiment aucune mission. Hein. En fait, les deux ils font la même chose. Donc en soi, bah je sais pas trop quoi faire quoi. Moi j'ai rien à faire en soi les mecs. Hein. Je pense vraiment qu'en tant qu'équipier, je peux rien faire du tout. Bizarre lui hein. Pourquoi il fait une skybase? Enfin, c'est quoi l'objectif? Le mec attend de rien faire. Y'a un mec qui fait une skybase. Tu sais pas d'où il la sort. Oui il mais pourquoi mais t'es un abruti. Pourquoi tu déclenches pas ta réunion quand y a marqué voilà. Bah oui là j'ai fait aucune mission en plus. C'est écrit que j'ai fait aucune mission. Tu cherches quoi en fait? Tu ruines la vidéo là. Non mais je ruine pas la vidéo. Je suis en train de dire ce que je suis en train de dire. Tu veux juste pas gagner. Y a un mec qui fait une skybase et y a un mec qui se trimballe avec de l'argile. Moi je trouve ça bizarre. Moi les deux moi je vous trouve bizarre. Moi pour moi moi je sais pas ce qui se. Moi personnellement j'ai juste fait une pioche en cobble et après je sais plus quoi faire. Mais pourquoi t'as de l'argile à Spaz? J'ai pas d'argile. Pourquoi t'as de l'argile à Spaz? Ah si. T'as pas d'argile. T'as pas d'argile. Il a pas d'argile, vas-y. Ah, donc les deux ils ont de l'argile. Non, Lynette, tu vas pas prendre pour un bleu, je t'ai vu. Mais je rigole, mais je rigole. Oui, oui. Mais en fait, attends, pause. Moi je voulais démontrer que c'était Aspaz. Tu as voté pour rien? On a même pas eu quête réussie? Bah oui, dans tous les cas, si tu pourras. Il pouvait pas démontrer parce que c'est pas moi. Bon, bref, allez, on s'en fout, on dégage. Oui, bon, si c'était aussi simple que ça, je pense que bon. Je pense qu'on aurait même plus la réforme des retraites. Quoi? Bon, là les mecs, je suis dans un flou de zinzin en fait. Là, c'était vraiment le moment adéquat, parfait. Il m'a ruiné mon plan, ce chien. Il me l'a ruiné, j'en ai marre. Je suis à bout, là. À bout de souffle. Vous savez quoi, je vais m'éloigner. En fait, le problème, c'est que je peux pas faire des missions quand j'ai des gens dans mes pattes. Je peux pas faire des missions. Et en plus, Shawen ne peut pas déclencher de quête. Donc, vous savez quoi, attendez. En fait, il faut que je fasse des échafaudages pour le bateau. Faut que je fasse ça. Que je mette un bateau ici, un bateau en bas. Donc, on a plus le droit de faire une skybase tranquille. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, c'est. Leur partie, ça devient n'importe quoi. Moi, si je veux me faire une skybase, je vais me faire une skybase. Après, les mecs, c'est vrai que j'aurais quand même dû attendre que la mission soit terminée en fait. Parce que là, j'ai quand même. Ouais, non, c'est vrai, j'ai vraiment fait une boulette de fou. Après, les mecs, je vous mens vraiment pas que le bail de l'argile, Lynette, il s'est pas vraiment défendu. Hein. Et elle se passe non plus d'ailleurs pour sa skybase. En fait, ils font
des trucs bizarres et j'ai l'impression qu'il y a que moi qui est vraiment safe quoi. Personne dit que c'est moi, tout le monde sait que c'est pas moi. En fait, je vais attendre de voir qui veut me mettre dans la poche. En mode dire que c'est l'autre et vouloir me convaincre moi en fait. Ça peut pas être lui. Enfin, normalement, c'est pas censé être lui quoi. Attendez, vous pensez vraiment qu'il a crafté un truc spécial et qui a fait que bah, la mission a été accomplie? Parce que dans le cas échéant. Oui, dans le cas échéant, effectivement, je parle bien. Il est où Lined en fait? Et là, boum! C'est bon! Qui est annoncé? Alors là, c'est pas ouf là. Hein. Vous savez quoi? J'ai même envie d'enchaîner. L'imposteur a accompli une quête. Non, j'ai rien vu. C'est juste que j'étais avec Shawen. Shawen il était pas loin et je l'ai pas vu faire grand chose. Arrête, il était juste derrière moi. Peut-être qu'il a fait un truc bizarre derrière moi et ça s'est fait. Hein. Vous savez quoi? Au moins il a la preuve que c'était pas moi. Hein. Il a la preuve. Hein. Il a la preuve. Lui qui m'accusait. Alors, tu l'as ou tu as pas la preuve? Oh non, merde, mince. Mais le feu il se remet. Il va mourir. Il va croire que ma mission c'était de le brûler. C'est vraiment pas ça ma mission. Pourquoi il me dit c'est Lined? Ok, oui, merci. Je pensais qu'il allait croire que c'est moi vu que je l'ai poussé dans la lave, hein. Enfin dans le feu. 1, 2, 3. Ok, je suis en train de faire un truc comme as. J'ai plus de terre. Je vais faire semblant de me créer un bunker. Il faut que je me crée un poste d'observation là. Il faut que j'arrive à m'en créer. Hein. C'est bon, tac, tac, tac. Et voilà, c'est bon. J'ai réussi. C'est encore réussi le carré là. Ah non, ça fait 2. Oh l'échec cuisant. En fait, le problème c'est qu'ils doivent être ensemble là. Là, je vais me faire accuser. Bah, pas pour rien, mais voilà quoi. Là, je fais toutes les missions dans mon côté. Hop là, rien à foutre. Et voilà, on annonce la quête encore une fois. Quoi? Il a pas pu faire une deuxième quête? Mais attendez, là c'est 100% Lined. Attendez. Après, ils ont aucune preuve. En fait, là, il faut que je prie pour qu'ils soient pas ensemble. Vous savez qu'en fait, je sens que je vais me faire accuser. Il faut que je me fasse tuer devant quelqu'un. Il faut que quelqu'un me tue. Il faut que je fasse semblant de me faire tuer par quelqu'un. Que je saute dans la lave et que je dise qu'il m'a tué et qu'il y a eu la mission qui est déclenchée. Après, là, je suis sûr qu'ils parlent ensemble. Voilà, ils parlent ensemble. Ils parlent ensemble. Ah, mais là, c'est Flopes, là. Bande de menteurs. Go faire croire qu'on vote toi. Oh, la ting de. Mince, Lined nous a vu. Mince, non! Oh non, je viens de me faire choper. Oh non. C'est ça sa défense. Mais c'est 100% Lined, hein. Là c'est cramé en fait. Avec quelle preuve? Franchement, avec quelle preuve? C'est bien beau d'accuser, mais ici c'est la justice, hein. C'est bon, je l'ai brûlé. Oh, what? Qui m'a poussé? Les mecs, j'ai en train d'écrire un message, il y a ce malade qui m'a poussé. Oh non! Mais il veut me tuer, il veut ma mort! Il veut ma mort sur la conscience! Ah mais vraiment, il va utiliser le livre ou on va le voter, hein. Au pire, c'est Aspas qui va utiliser son livre, hein. Allez, utilise-le! Il faut que je la déclenche pile au bon moment. Aspas, ton livre. Oh, oui, j'ai un livre! Tiens, je vais lui donner. Je lui ai donné quoi? Non, j'ai pas fait de quête. J'ai donné mon livre à Shawen. J'espère qu'il va l'utiliser quand même. Vous savez quoi? J'utilise. Ah là 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 là, Lined. Mon pauvre Lined. Arrête de faire le mec, Aspaz, je sais que c'est toi. Tu veux accuser Aspaz pour m'accuser moi derrière. Pour qui on va voter? Non, oui, c'est moi, non. Tu donnes ton livre et boum, une quête se déclenche. Non, là c'est vrai. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, 100% ils vont croire que j'ai fait une mission, mais pas du tout. Après, le truc c'est qu'il y a quand même 2 missions qui ont été faites alors que Aspaz et moi on a rien fait. Imagine Shawen, il demandait le livre. Notre livre à nous. Et étonnamment, dès que tu le donnes, boum, tu récupères le livre d'un joueur. Non mais ça c'est vrai. Non, en vrai, mais non mais je l'aurais pas fait à ce moment là, ça aurait été le pire moment. Peut-être que Shawen a des quêtes qui disent récupérer le livre d'un joueur. Mais on était tous les deux à ce buzz. Réfléchis, ton cerveau rempli d'alcool. Ah, c'est pour ça que moi je propose qu'on refasse une partie et qu'on s'observe dans le blanc des yeux. Mais non mais là y'a que toi qui a un livre, jamais j'ose pas. Ah mais clairement. Pourquoi? Donne-moi le livre. Ok. Parce que moi y'a que moi qui est safe. Mais pourquoi pas à toi? Moi j'ai confiance en Shawen. Oui mais si toi, tu sais que t'es pas imposteur. Pourquoi je donnerais au mec la que je suspecte? La confiance en moi alors que je sais. Bah donne-le-moi à moi alors, moi y'a pas de soucis. Père donc tiens. Vas-y. Oh, t'allais faire quoi toi? T'allais me. Shawen, j'avais confiance en toi. Bah justement, donne-le-moi si t'as confiance en moi. Pas du tout, j'ai plus confiance du tout. Allez, on repart. J'espère que ça va pas flopper, hein. Je veux qu'un mec me tue. En fait, je veux qu'ils se séparent. Hein. Il faut que j'arrive à leur faire croire que ce qu'ils font c'est pas normal. En fait, il faut que j'arrive à mourir devant eux, mais c'est trop bizarre. Oh mais limite je monte en hauteur et je meurs de chute. En fait, je veux vraiment qu'un mec me pousse. Quel est mec? Tout le pouvoir de la game est entre mes mains. C'est-à-dire que là si j'étais imposteur, j'aurais gagné. Parce que j'aurais juste à faire mes missions et ça aurait été gagné en vrai. Plus personne à te livre à part moi. Donc bon. Là, j'ai tous les pouvoirs. J'ai juste à les observer et voir pour qui je vais voter. Bon, je pense que c'est Lined hein, pour être honnête. Hein, mais on va voir quand même. Qu'est-ce qu'il fait? La partie elle a commencé depuis 1h30. Là, on est encore en train de miner du bois. Je vais le dire à Shawen. Mais c'est pas vrai. Je sais pas où est-ce qu'on est là. C'est quoi les mecs? Moi, je vais les regarder dans le blanc des yeux. Je vais voir exactement ce qu'il va faire. Bon, on se regarde, on fait quoi là? Faudrait peut-être se séparer. Hein, sinon, on va pas avancer les mecs. Hein. Il a une mission pour voler du bois ou quoi lui? Cet enfoiré d'enflure. En fait, je veux m'éloigner. Mais le problème c'est que voilà, il est chiant lui là. En fait, il faut que je fasse des bails de méchants. Et voilà, comme ça, il y aura pas de quêtes qui vont se déclencher, ils diront pas que je suis méchant. Mais il essayait de casser ma table de craft ou je rêve? J'ai regardé les deux là. C'est vrai que ça c'est bizarre quand même. Hein. Le fait qu'il mine encore du bois là. Tout ça pour rien. La partie a commencé depuis 1h30 et Lined mine encore du bois. C'est comme l'eau, c'est la vie le bois. L'eau c'est la vie. Bizarre.
bizarre, hein. Pourquoi tu mets encore du bois? J'ai pas vous mentir, j'ai très peur de Lioness, hein, vraiment. J'ai super peur de lui. Et moi, je veux qu'il me pousse. Ils sont chers à rester ensemble, là. Je veux qu'il me pousse ici. En plus, regardez-moi ça à droite. J'ai prévalidé le bail pour qu'il s'enclenche instant dès que je meurs. Sauf que là, c'est flopesque. Au pire, vous savez quoi? Je vais faire le mec qui monte en hauteur. Hein. Il y aura pas de quête qui se fera, mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire ma petite maison ici. Arrêtez. Non, mais commencez pas à venir. Vous êtes gênant. Attendez, mais il fait quoi là? Il fait du sneak des sneaks. Là, il se prend pour qui? Il veut quoi lui? C'est vraiment un malade. En fait, il joue à quoi? En fait, là, je comprends vraiment pas c'est quoi l'objectif là. Là, vraiment, la game ressemble à rien là. Mais il veut... Non! Non! S'il te plaît! Non, mais faut pas qu'il meure! Je vais l'empêcher de sauter! Ultra gênant, voilà, ultra gênant, ultra gênant, ultra gênant, voilà, tu dégages. J'ai envie qu'il vienne et qu'il me pousse. Comme ça, il pense que c'est moi. En fait, j'essaye de comprendre c'est quoi sa mission là actuellement. Il faut qu'un mec me tue de chute. Regarde, je fais semblant de manger, voilà, on mange pas. Par les barres, Denis, il va mourir! Oh oui! Et là, boum, quête machin! Quoi? Oh non, il va dire que c'est moi! Il va dire que c'est moi 100%! Oh non, sans faire exprès, je l'ai poussé, j'ai pas fait exprès! Oh, un imposteur a accompli une quête! J'ai pas vu, j'ai rien vu, les mecs! Non! Il est passé où, Lioness? Je vais dire réunion vite. Vite, voilà, Shawen 100%, il m'a tué. Je me suis brisé les pattes au moment où je meurs, directement, pao. Mais est-ce que sa mission, c'était pas juste de mettre fin à ses jours? Bah, moi, je sais pas, j'ai pas vu mourir, j'ai en train d'essayer d'empêcher de mettre fin à ses jours. En gros, je t'explique, moi, j'étais en haut de la tour, il essayait de monter, et genre, je l'ai poussé, mais tu vois, genre, il a pas fait en sorte, il s'est laissé mourir comme ça, en mode, non, il m'a poussé de 5-6 blocs. Non, 5-6 blocs, t'as dit ça en mode, c'est la tour de Pise. J'aime pas être dans cette position. Bah, tu vas faire le choix, hein. Shawen n'a aucun argument. Moi, j'ai l'argument de mourir et que la tâche se déclenche. Mais t'es douane. Mais toi, t'es louche depuis le départ. Toutes les missions qu'on a faites, j'étais avec Aspaz au début. C'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, tu peux pas le nier. Bah, je veux pas dire, mais la mission de SK que toi et moi on observait ensemble, qui s'est déclenchée, toi et moi, on avait un alibi. Oui. On pensait que c'était SK. Et où était Shawen à ce moment-là? Ça, c'est vrai, ça aussi, hein. T'étais où, Shawen? Mais SK était mort quand Lioness faisait ses missions de son côté. Quand on était je parle pas de celle-là. Je parle du. Bah, moi, je te parle de celle-là. Bah, ouais, c'est vrai. En fait, pour vous deux, il y a des incohérences. Et là, à la fin, il m'a tué, quête déclenchée. Comment ça, l'imposteur doit mourir? L'imposteur peut revivre. On est où là? Bon, venez, on va à côté de la salle des morts là. Je vais trancher là-bas. Bon, tu invites qui à y aller? Moi, je pense que c'est Shawen, hein. Je pense. Pas envie de te forcer la main, mais. Non, c'est pas. Non, Lioness! C'est toi, ouais Lioness! Let's go! Let's go! Let's go! Allez, vas-y! Au bûcher! Au bûcher! Au bûcher! Au bûcher! C'est Lioness et Shawen! Tu vas le regretter. C'est Lioness et Shawen! Tu vas le regretter. Tu vas le regretter d'une puissance. Je vais pas le regretter. Tu ne bouges pas. C'est moi qui saute. Je te jure que c'est pas moi. Vas-y. Je saute. Il a tenté le bleu. Bah, allez. C'est la fin. Tu crois que je vais changer d'avis? Ouais! Bien joué! Mais il y a une vidéo pour les gagnants. Ah ouais? C'est quoi? Bravo, tu es le gagnant, tu as le droit d'accéder à cette merveille. On m'appelle Fius, je suis sûr que tu connais. Mais du coup, attends, le 11, c'est dimanche? Bah oui. Ah, ok.